bientôt les postérieurs. Oui, ma choupinette. Et petit trésor. Les petits bébés. Oh là 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 là. Après Moonshine, qui a été en chaleur la semaine dernière, c'est au tour de In My Dreams avec notre baudet qui est à droite, King Luxor. Baudet exceptionnel de par sa panachure et de par sa transmission, pas loin du 100% des robes pie comme lui. Hier soir, à la tombée de la nuit, on a mis Laila dans le parc. Elle a grise, parce que étant donné les chaleurs extrêmes qu'il fait, je pars les sabots à lampe frontale de nuit et je les mets au parc, une après l'autre. Voilà, celle qui est en chaleur suit le baudet. C'est son fiancé qu'elle ne veut pas quitter. Eric, avec l'aide de mon père, ont ramené le foin du pré de l'or. Donc il va me falloir poser tout ça. Étant donné les super volets que nous offre la propriétaire de la ferme, on est obligé d'essayer de trouver des solutions, notamment quand le vent du sud, donc qui vient de là-bas, arrive et tape en biais et rentre, ça fait tout pourrir à l'intérieur, la paille, on voit qui est stockée. Voilà, on laisse du vieux foin pour essayer de faire le tampon, puisque pour l'attacher, que ce soit un peu prêt, on le met au niveau des gonds. Et voilà, mais ça, pour l'instant, vu la saison qu'il fait, jamais qu'une. Sinon, il faudra en mettre une seconde au-dessus pour cet hiver.
sauf qu'il manque un gant à droite, donc pour le tenir c'est un peu plus compliqué, il faudra le suspendre en espérant que ça lâche pas au-dessus. Et le Bobcat, ben, quatrième jour de panne, le réparateur m'a dit qu'il viendrait aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Ça va peut-être encore mettre des jours. Les animaux, je peux pas les pailler. La paille de les bottes de 300-400 kg, ça n'a aucune tenue, c'est dès qu'on ouvre les ficelles, c'est du vrac complet. Donc j'essaye de faire quelques brouettés, mais avec le vent, tout s'envole. J'en ai partout, sauf là où il faut. En été, il y a besoin autant de paillage qu'en hiver, parce que juste leur propre fonctionnement de l'urine, etc., fait qu'avec la chaleur, les bactéries se développent très vite. Donc il faut maintenir un très bon paillage, même en été. On a les naissances, il y en a encore plus besoin à ce moment-là, sur des chevreaux nouveau-nés. Alors je suis désespérée de ces pannes, de ces manques de réactivité. Je comprends que les gens aient du travail, mais c'est vrai que là-dessus, c'est sur les essentiels du travail à la ferme. Le nourrissage, le paillage, je peux pas faire autrement, quoi. Les balles 400 kg, je peux pas les bouger à la main, donc voilà. Allez, on y va, ma poupoule. Almeda, tu restes derrière. Poppy. Allez, on descend, Riz. Bon, je reviens de faire de la verdure, une bonne brassée diversifiée. Il a plu cette nuit, donc tout est mouillé, j'ai mon t-shirt tout mouillé. Et du coup, en étant mouillé, c'est bon. Là, il y a un petit kilomètre à faire avec tout ça dans les bras, vu que tout est en pente ici. Monter, descend, j'ai essayé du sport. Je suis descendue, j'étais dans la vallée, je suis remontée derrière les maisons au niveau des arbres, en haut, puis je suis redescendue, puis je suis remontée. Des joies, des contreforts, des Cévennes. Allez, zoom, distribution. Thank you.